La thérapie peut être stimulante et enrichissante. Cet hiver, prenez soin de votre santé mentale avec Maple. Obtenez un rendez-vous en ligne le jour même avec un thérapeute autorisé au Canada. C'est aussi simple que cela. Les thérapeutes de Maple sont prêts à vous parler quand vous le voudrez. Rendez-vous à getmaple.ca/thérapie. J'adore bouquiner et ça fait partie intégrante de ma vie. C'est simple, j'ai toujours un livre entre les mains, mais j'ai aussi un horaire super chargé. Et pour combler ma soif de lecture, j'utilise maintenant Audible. C'est pas compliqué, j'ai accès à mes livres en audio partout, en tout temps, et je peux continuer à faire mes autres occupations tout en écoutant des histoires audio. Sur Audible, j'ai accès à plus de 630 000 titres d'auteurs de partout dans le monde. Il y a aussi des best-sellers et des contenus exclusifs. Faites comme moi, inscrivez-vous à audible.ca et cela vous permettra d'obtenir vos 30 premiers jours gratuits avec votre abonnement. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La Rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La Rencontre, Bock-Côté, Martineau. Alors, on revient bien sûr sur tout le débat concernant la loi 21 avec Mathieu. Salut Mathieu. Hello. Écoute, tu disais la dernière fois qu'on s'en parlait que pour toi, c'était littéralement une provocation, un coup monté, parce que quand même, là, la commission scolaire, là, elle connaissait la loi. Pourquoi elle a embauché cette personne-là qui était voilée? Il dit, on savait pas qu'elle était voilée. Attends une minute, là. Sur ton CV, t'envoies une photo. Et puis ils ont pas posé la question. Ils ont dit oui, mais les contacts ont été faits par téléphone. Oui, mais vous savez que vous connaissez l'existence de la loi, donc vous auriez dû demander est-ce que vous êtes voilé, est-ce que vous êtes prêt à enlever votre voile. Mais il dit oh, moi je pose pas ces questions-là, c'est pas poli qu'on a répondu. Non, mais en fait, on commence en ce moment une entreprise de guérilla juridique contre la loi 21, qui a comme objectif soit de la ridiculiser, soit de la faire passer pour extrémiste en provoquant des scandales comme celui qu'on voit en ce moment. Donc, c'est autant, il y a d'un côté la contestation formelle menée par les tribunaux canadiens à partir d'une contestation qui est déjà engagée, autant à l'intérieur, il y a une volonté donc de délégitimer, de disqualifier à travers des cas qui sont montés de manière théâtrale, des cas qui sont véritablement des coups médiatiques pour fragiliser le gouvernement et amener le gouvernement à se défendre mollement. Parce que, on le sait, c'est assez particulier, autant la loi 21 est plébiscitée par les Québécois, autant, et ça, faut le noter, que une fois que c'est fait, le gouvernement croyait s'en être débarrassé. C'est-à-dire, on croyait que, bon, mais c'est réglé, c'est terminé, on n'a plus à parler de la loi 21. Or, pour moi, c'est l'élément central qui ressort de la présente séquence. C'est que si le gouvernement croyait, même avec la clause non-obstant, on dit, mais c'est terminé, on n'en parle plus, c'est réglé, à la rigueur, c'est vrai pour 5 ans. Sur le fond des choses, cette loi s'inscrit dans un dispositif constitutionnel, un dispositif politique, un dispositif culturel, idéologique, constitutionnel, qui lui est fondamentalement défavorable. Donc, la loi 21 ne peut pas survivre dans cet environnement. Elle est donc contestée frontalement par le régime et elle est contestée par ces groupes qui cherchent d'une manière ou de l'autre à l'invalider ou à la ridiculiser. Et là, on arrive à l'autre dimension. Donc, comment le gouvernement Legault peut-il véritablement répondre à cela? Il y a, je pense, ça peut paraître bête à dire, mais une forme nécessaire de vigueur politique qui consiste à ne pas se laisser intimider par je ne sais quel événement médiatique qui est poussé, qui est théâtralisé d'une manière ou de l'autre. Et à ne pas accepter le vocabulaire hein, de cette guérilla, en présentant ça comme une victime et ainsi de suite. Mais il y a aussi la dimension, je dirais, la suite des choses. Il doit se préparer, le gouvernement Legault, au jour où la Cour suprême, d'une manière ou de l'autre, voudra ou cherchera à invalider la loi 21. Que fera-t-il à ce moment, sachant qu'il ne courra pas à l'indépendance demain matin, qu'une crise politique va arriver et puis on verra ce que donnera la suite, mais que fera-t-il le jour où il se retrouve devant une situation où la loi 21 ne peut plus tenir devant le régime canadien qui trouve une astuce pour être capable de l'abolir d'une manière ou de l'autre? Et bien là, c'est à ce moment-là que je pense que le gouvernement Legault doit réfléchir dès maintenant à la suite des choses, sinon, finalement, la loi 21 n'aurait été qu'un barreau d'honneur avant l'éclatement en fait de ce dernier geste d'affirmation nationale avant la soumission du Québec. Mais ce qui se passe là était totalement prévisible. C'était évident qu'il allait avoir une martyre de la cause. C'est une question de temps. Donc, jamais je croirais que le gouvernement n'avait pas prévu ça. Je sais pas. C'est là que j'ai un point d'interrogation dans ma tête. C'est-à-dire, est-ce que
est-ce que finalement, il s'est dit, c'est réglé? Puis la loi 21, c'est un gouvernement complexe, le gouvernement Legault, avec plusieurs tendances. Il y a le fédéraliste qui a accepté ça, puis bon, qui était favorable probablement, parce que sur la question de la laïcité, les Québécois sont globalement favorables. Il y avait le nationaliste qui portait le projet véritablement. Il y a François Legault qui considérait que c'est une priorité gouvernementale pour asseoir sa légitimité nationaliste. Mais c'est pas ça qui passionne le gouvernement Legault en dernière instance. Ce qui les passionne, c'est autre chose. Eh bien, comment être capable, dans les circonstances, de convaincre le gouvernement qu'il ne s'est pas débarrassé d'un dossier une fois pour toutes en le réglant avec la loi 21, que la suite est à écrire, que la suite est à penser, que la suite est à prévoir. Et ça, c'est véritablement la part manquante, je crois, de la réflexion en ce moment. On a l'impression qu'il est désorganisé, qu'il est désarticulé, qu'il n'est pas certain exactement de ce qu'il doit dire. Il semble fragilisé presque symboliquement. Là, on aura envie de dire qu'il faudrait une déclaration très ferme et sans ambiguïté du ministre Jolin Barrette et même du premier ministre pour dire ce qui s'est passé là, c'est une provocation et on ne se laissera pas intimider. Et ils ne doivent pas faire des demi-réponses. Je crois qu'on est au moment où ils doivent avoir une réponse très, très ferme, tout en imaginant la suite, comme je le dis, parce que ça me semble essentiel. Mais comme médias, nous avons une responsabilité. Je parlais à Nadia El-Mabrouk, elle me dit, il y a beaucoup de musulmans qui sont pour la laïcité, qui sont pour la loi 21. Il y a beaucoup de musulmanes qui ne sont pas voilées. On nous donne pas le micro, on nous entend très peu, on nous voit très peu. Lorsqu'on dit dans les médias, nous allons donner la parole à une musulmane, elle est dans 90% des cas voilée. Elle dit, nous sommes la minorité invisible. Et comme médias, on a le devoir de leur donner la parole à ces gens-là. Ah ben oui, non mais moi, c'est surtout le propre d'une société pluraliste et démocratique et qui évite la communautarisation des appartenances, c'est qu'on ne considère pas que seule la femme voilée, seule la catholique à grosse croix, seul le juif à kippa, je dis pas que ces signes-là sont interchangeables, mais je dis des symboles qu'on associe aux différentes religions, seraient les vrais juifs, musulmans ou catholiques. Il faut être capable de se dire que non, des gens qui se retrouvent, donc qui sont probablement soit croyants, soit même pratiquants, mais qui acceptent globalement les règles, je dirais, culturelles et juridiques de la laïcité, c'est les deux à la fois, eh bien, ces gens-là sont tout à fait heureux. Et puis, par souci de représentation démocratique, il faut le rappeler. Je note qu'en France, c'est une chose assez importante, on les entend beaucoup ici, ces musulmans, et surtout ces musulmanes qui sont par ailleurs favorables aux lois de la laïcité, aux lois républicaines, et ainsi de suite, à tout ce qui touche en fait à la laïcité de l'État. Donc, peut-être sommes-nous appelés à nous familiariser davantage avec cette position, mais elle devrait avoir droit de citer à la Jemila Benhabib et à bien d'autres. Et elle me disait, Nadia El-Mabrouk, on est presque puni de s'intégrer dans la population. On ne nous voit pas justement parce qu'on fait pas de vagues, parce qu'on s'intègre, parce qu'on se distingue pas des autres. C'est toujours la roue qui grince, c'est elle qu'on va huiler. Tu comprends? Oui. Ceux qui gueulent, j'ai pas le droit de porter mon voile, c'est eux autres qu'on va voir, mais tous les autres musulmans qui sont en majorité, qui veulent rien savoir du radicalisme religieux, eux, par contre, on les punit, on les montre pas. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et là, c'est aussi le souci de pluralisme politique et intellectuel qui consisterait à nous assurer de représenter les courants de pensée, pas seulement des courants communautaristes. Et c'est ça, c'est la question en démocratie, c'est savoir qui et quoi on représente. Est-ce qu'on représente des communautés et des identités communautaristes, ou est-ce qu'on présente des courants de pensée? Si on présente des courants de pensée, on va découvrir assez rapidement qu'il y a des gens issus du monde musulman qui sont tout à fait favorables à la laïcité. On va le découvrir et on va le mettre en scène. Et je pense que c'est ce souci de pluralisme intellectuel qui permet d'avoir une description beaucoup plus fine de nos débats sociaux. Écoute, je veux te parler d'une autre chose avant qu'on se quitte. Il y a un comédien qui s'appelle Jussie Smollett. C'est un comédien noir, gay, qui a dit qu'il avait été victime d'une attaque raciste et homophobe. Et finalement, on a découvert que c'était monté de toutes pièces. Il avait monté cette histoire-là. Il l'avait inventée pour rehausser un peu sa popularité. Et ça montre à quel point que, tu sais, la victime, ça, c'est payant. Ça paye parce que lui, effectivement, tout le monde le prie. Lui, il dit, comment je vais pouvoir me démarquer des autres en étant une victime? Ça va aider ma carrière.
Non, mais je suis une victime, donc je suis. C'est ainsi qu'on progresse symboliquement dans le régime diversitaire. Et ça, je pense que là-dessus, il y a c'est de l'étoffe, c'est de, les réflexes culturels de notre société qui doivent réagir devant ça. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, bien, premièrement, il faut décoder. C'est-à-dire que manifestement, il y a une forme de prime symbolique, et pas seulement symbolique au fait de se présenter comme une victime. Et ensuite, il faut être capable, justement, quand quelqu'un ment, s'il avait été vraiment victime, il aurait fallu se porter à sa défense, il n'y a pas de doute. Mais quand quelqu'un ment aussi ouvertement, eh bien là, ça cause une. C'est la question même de la confiance démocratique qui est en jeu. Et c'est la possibilité même d'une société de confiance, d'une société libérale, celle où on fait minimalement confiance aux déclarations des uns et des autres. Quand les médias mentent, quand des individus mentent, quand ils fabriquent des fausses nouvelles, c'est la confiance démocratique qui est fragilisée. Tout à fait. Puis ça montre aussi quand il y a des histoires comme ça, là, il faut toujours attendre, laisser la poussière retomber avant de dire ah c'est il a été victime de racisme et tout ça. Là. Tu sais, des fois, ça se peut que tu sois arrêté par la police, mais parce que la police a des raisons de t'arrêter. Mais bien sûr, non, mais ça c'est il va falloir être capable de sortir de prisme d'analyse qui considère que selon la couleur de notre peau, d'une manière ou de l'autre, on est victime ou bourreau. Puis se rappeler que comme j'aime dire, le mal et le bien cohabitent dans le cœur de tout homme, quelle que soit la couleur de sa peau. Et de ce point de vue, ça permet de réfléchir au sens de la responsabilité individuelle de chacun, puis d'éviter de nous enfermer dans une vision de la société qui écrase l'individu sous le signe du systémisme. Écoute, j'invite les gens aussi à lire le texte que tu as écrit, fort intéressant, là, sur l'enseignement de la laïcité à l'école en France et au Québec. Tu avais écrit ça pour le journal. Bon, la version papier du journal le dimanche n'est malheureusement pas parue parce qu'il y a eu des problèmes de panne électrique, mais on peut le lire sur le site Internet du Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Abonnez-vous à Élix TV et Internet à partir de $74 par mois et obtenez en cadeau 6 mois d'abonnement à Vrai et Club Illico. Un autre avantage Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Est-ce que vous avez vu celui de la fille de Terre-Neuve et de son journal intime quand elle avait 10 ans? Elle l'avait oublié dans une cachette secrète. 26 ans plus tard, elle nous lit des extraits de son journal qui parlent des deux garçons pour qui elle a eu un kick à 10 ans. Bjorn et Geoffrey. Il faut le voir. TikTok. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Mathieu, tu poses une question délicate aujourd'hui. Tu te demandes si, avec l'aide médicale à mourir, on ne serait pas allé un peu trop loin. Ouais, parce que là, on parle en ce moment de l'extension de l'aide médicale à mourir pour des gens qui sont, bon, des questions de, non pas de maladie mentale, mais de dégénérescence assez avancée. Finalement, la question de l'Alzheimer. Et j'aimerais aborder cette question en faisant un détour par Michel Houellebecq. Alors, dans La carte et le territoire, des beaux livres de Michel Houellebecq, peut-être un de ses plus beaux, peut-être le plus beau même, pardon, il aborde la question directement en disant, il présente son vieux père. Dans ses romans, hein. Mais son vieux père qui en a un peu assez de vivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide tout simplement de se rendre dans une clinique en Suisse où on traite à la manière d'un problème administratif d'abord et médical ensuite le fait de sa disparition programmée. Il décide de se suicider avec des entreprises qui considèrent que le suicide est un service offert parmi d'autres. Quel est le lien entre ce qu'on vient de dire sur la question de l'Alzheimer et l'aide médicale à mourir, mais qui, à la manière d'un libre service? Moi, je suis de ceux qui, dès le début, je ne le cache pas, j'étais pas favorable à l'aide médicale à mourir. Je pensais qu'il y avait des zones d'ombre qui étaient permises dans l'hôpital ou entre un médecin et ses patients et la famille, quelque chose se négociait à l'abri du droit et de la vie publique. Disons ça comme ça. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où on normalise le principe de l'aide médicale à mourir, du suicide assisté, eh bien, les critères tendent à être de plus en plus subjectifs. Alors, on nous avait dit au début, il y a des barrières très fermes, il y a des critères très fermes, puis voilà, ça ne sortira pas de ça. Moi, dès le début, comme chaque fois en ces matières-là, j'ai dit, dès qu'on nous annonce des critères très fermes, ils sont faits pour tomber quelques semaines plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on cherche à sans cesse étendre l'aide médicale à mourir. Puis on comprend chaque fois que ce sont des raisons qui touchent le cœur humain, qui touchent l'âme humaine, qui touchent qu'on est plus profond en nous-mêmes. Donc on le comprend, l'idée que ben, devant la souffrance, devant la possibilité du déclin, de la déchéance, on aimerait avoir cette carte avec soi. Mmh. Mais je redoute le jour
ou un peu à la belge, on dira, mais simplement la détresse affective, la détresse véritable, le sentiment d'inutilité au monde. C'est dramatique, c'est des gens qui se sentent inutiles dans le monde, finalement. Et bien, tout ça, est-ce que finalement, ça ne va pas culminer vers cette espèce de démocratisation intégrale de l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'un jour, ne voulant pas mettre des critères trop serrés et voulant sans cesse multiplier les catégories de la population qui y ont accès, est-ce qu'on ne va pas simplement créer un monde où ce sera une forme de droit de mourir en libre service sous le signe de l'état thérapeutique et des services publics? On me dira que j'exagère, mais je dirais que la plupart des choses qui nous arrivent aujourd'hui, il y a 10 ans, on aurait dit qu'on exagérait si on les annonçait. Donc je pense qu'on doit garder cela à l'esprit dans tous ces débats qu'on présente de manière très technique ou sous le signe de la compassion humanitaire, ce que je comprends, mais voyons ce que voudrait dire une société qui offrirait comme une possibilité parmi d'autres le fait de mourir parce qu'on n'a plus envie de vivre et que ce soit pris en charge par l'État. Il y a quelque chose là-dedans de plus inquiétant qu'on ne le dit. Je me fais l'avocat du diable. Je me réjouis là, que le Québec refusait d'étendre la médicale à mourir aux gens souffrant de maladies mentales. Je me suis réjoui de ça, mais il y a quelqu'un qui me dit, écoute, les maladies mentales causent autant de souffrance qu'une maladie physique. Imagine-toi quelqu'un qui est schizophrène, qui a tout essayé des thérapies possibles et impossibles et qu'il n'y a rien qui a fonctionné et qui souffre de schizophrénie. Cette personne-là vit l'enfer et on devrait lui permettre, tout comme une personne cancéreuse, d'abréger ses souffrances. T'en dis quoi? Pardon, que je comprends cet argument. On n'est pas ici dans du tout oui ou tout non. Je comprends cette idée qu'à un moment donné, l'existence devient une souffrance intégrale. Mais je crois que le rôle d'une société civilisée dans cela, c'est de rendre de diminuer cette souffrance, de prendre en charge l'existence de ces gens qui sont dans une situation de souffrance extrême, d'une manière ou de l'autre, et de tout faire pour leur rendre la vie, sinon plus agréable, à tout le moins moins désagréable, moins souffrante, moins pénible. Mais cette idée que... Parce qu'il y a un cap moral, mais presque un cap, je dirais, ontologique, un cap métaphysique qui est franchi quand on dit que finalement, l'État étend dans sa définition des soins le fait de mettre un terme à la vie d'un homme ou d'une femme. C'est pas un soin comme un autre, en finir. Je dis pas tuer parce que le terme est pas le bon, il est trop brutal. Mais considérer qu'on met un terme à la vie d'un homme, et que tout le dispositif médical, politico-légal, politico-médical du Québec se mette au service de cela, il y a une forme de, au nom de l'amour infini de son prochain, il y a une forme de potentielle barbarie qui s'étend là. Parce que tu donnes le cas du schizophrène, je comprends la douleur, mais quand on va tomber sur celui qui va nous dire « je n'aime plus la vie, ma femme m'a quitté ou j'ai perdu mes enfants », imaginons un homme là qui perd, il y a une famille de 5 enfants, là, puis il perd ses 5 enfants d'un coup, puis sa femme aussi. Il va dire « ma vie est une infinie souffrance ». Puis c'est vrai que sa vie va être une infinie souffrance. Il va dire « je ne suis plus capable de supporter la vie en ce monde ». Et c'est vrai qu'il est plus capable de supporter la vie en ce monde. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État de faciliter juridiquement, administrativement, médicalement la possibilité d'en finir avec la vie? C'est le point d'interrogation que j'estime. Et surtout, c'est une contradiction, parce que d'un côté, on dépense des millions de dollars en campagne anti-suicide en disant le suicide est une solution permanente à un problème temporaire, accroche-toi à la vie. Et de l'autre côté, ah, tu veux te suicider, tiens, voilà la corde. On n'y est pas, on s'entend, on n'y est pas encore. Mais la tendance nous y conduit. Et je trouve que dans nos sociétés, on fait beaucoup de choix, je dirais, anthropologiques au sens qui engagent notre conception de l'être humain, simplement au nom d'un esprit pragmatique et technique. Or, ce n'est ni pragmatique ni technique que de considérer que, en dernière instance, l'État va offrir un dispositif pour permettre aux gens de s'enlever la vie. Puis imaginons qu'on l'étende aux gens atteints d'Alzheimer et tout ça pour la maladie mentale. Imaginons. On va se dire c'est le stade final, c'est le stade ultime. Je serais contre, mais je comprendrais. Mais j'ai l'intime conviction que ce ne sera pas le stade ultime, ce ne sera pas le stade final, qu'il y aura toujours un stade prochain. Parce que c'est le propre de la logique, je dirais, une mauvaise conception de l'idéologie des droits, que de considérer que les droits sont appelés à toujours s'étendre et se multiplier. Puis arrive un jour où, comme je le dis, la détresse, c'est terrible la détresse. On a tous eu quelque part dans notre vingtaine probablement une peine d'amour telle qu'on se disait, bon, on voulait pas se flinguer, mais on se disait franchement, la vie manque de sel. Bon. Et quelquefois, ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure des années. Ben, est-ce que devant la détresse humaine qui est fondamentale, je tourne pas en dérision la détresse humaine ici, de perdre un être cher, que ce soit parce qu'on y meurt ou parce qu'il ne nous aime plus. C'est terrible, on aime quelqu'un qui ne nous aime plus. Ça peut engendrer une détresse, une souffrance immense.
Eh bien, je pense que devant cette souffrance et cette détresse, on ne doit pas ouvrir psychologiquement, culturellement, la possibilité d'un j'en ai assez, je tourne la page. Et le suicide devrait être une méthode en dernier recours. C'est-à-dire, moi, ce dont j'ai peur, c'est que l'aide médicale à mourir, ça nous dédouane de tout faire pour que les gens s'accrochent à la vie. En disant, ben, c'est certain que si t'es tout seul, t'es malade, t'es vieux dans un CHSLD, personne te rend visite, t'es mal traité, t'es mal soigné, c'est certain que tu veux en finir. Mais si on allait te voir, si t'avais des amis, si t'étais bien soigné, si t'étais dans un environnement agréable, tu voudrais peut-être t'accrocher à la vie. Moi, j'ai peur de ça, que ça nous dédouane. Oui, mais t'as absolument raison. C'est clair, finalement, mais autrement dit, on donne cette possibilité, ce qui nous épargne d'avoir à tout faire pour justement rendre la vie agréable à ceux qui la vie ne l'est pas naturellement. Et ça, je pense qu'il y a derrière, je dirais pas que c'est conscient, parce que moi, j'ai tendance à croire que la bête humaine ne fait pas le mal volontairement. Elle le fait, mais elle le fait pas toujours volontairement. Mais on est dans une logique où finalement, on se débarrasse d'un problème à travers l'aide médicale à mourir. Je dis pas que c'est aussi simple. Je dis que ça fait partie de la combinaison de raisons qui nous amène à croire que c'est peut-être une solution pour deux ou trois problèmes. Et rapidement, parce que je sais que tu dois nous quitter rapidement, mais je veux absolument traiter ça. Il me semble que c'est une question qui se pose surtout en Occident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit l'Occident a plus de compassion qu'ailleurs, ou soit on a abandonné, on baisse les bras. Tu as raison à 100%. Je pense qu'on est une civilisation épuisée. Sur le fond des choses, il y a un épuisement occidental. C'est triste à dire, mais c'est la vérité des choses. Cet épuisement occidental, ça nous amène à nous poser de telles questions. En fait, ça nous amène à poser des questions inimaginables. Est-ce que les sexes existent? Ça nous amène à nous poser des questions inimaginables. Est-ce qu'on vaut la peine de se poursuivre comme civilisation? Ça nous amène à nous poser des questions inimaginables. Est-ce qu'on devrait démocratiser à travers l'État social le droit au suicide? Ce sont des signes de civilisation en fin de parcours, peut-être. Oui, heureusement, en tout cas, on peut se dire, on se réjouit, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas étendu ça aux gens qui souffrent de troubles mentaux, mais on dit... On n'y est pas encore, et puis il y a de bonnes raisons de tenir. Oui, mais on dit, on va étudier la question, puis comme tu dis habituellement, les droits, ça s'étend, hein, ça s'étend. Oui, exactement, et sachant cela, eh bien, il faut dès maintenant aller avec la sonnette d'alarme en disant que c'est peut-être plus grave qu'on ne le dit. Tout à fait, merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain, bonne journée. Un jeune cuisinier... C'est possible. Aide alimentaire, soutien psychosocial, fonds d'études. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Passer de jeune sans-abri à jeune menuisière, c'est possible. Éducation, programme d'employabilité, logement. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur projet d'avenir. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeune. Un message du gouvernement du Québec. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, je sais que tu veux me parler du rapport Cloutier sur la liberté académique, mais juste avant, je discutais tantôt avec Normand Lester qui me posait une sacrée bonne question. Il dit, là, on est dans l'eau chaude au Québec, on est attaqué de toutes parts sur la loi 21. Il dit, comment ça se fait que Emmanuel Macron ne prend pas la défense de la loi sur la laïcité québécoise, qui est pourtant beaucoup plus timide que la loi française? On aurait besoin de cet appui-là. Je dirais qu'il ça serait une claire immixtion dans la vie politique québécoise, et canadienne. Donc, on peut croire que si je le vois en France, il y a une sympathie naturelle pour tout ce qui touche à la laïcité québécoise. Il y a une méfiance et même une critique assez vive pour le multiculturalisme canadien. Mais, à moins de vouloir dire quoi, vive la laïcité québécoise libre, les circonstances ne permettraient pas une telle intervention. Je pense que si la France doit se mêler de nos affaires un jour,
ça va être quand il va venir un troisième référendum. D'ici là, il y a déjà eu un appui indirect à travers Jean-Michel Blanquer, qui a signé avec Jean-François Roberge, ne l'oublions pas, une déclaration commune de lutte contre le wokisme. Ça, c'est pas un détail, ça compte. Mais ensuite, se porter à la défense de la loi 21 contre les interventions fédérales, donc ça, c'est pas simplement se mêler à hauteur de l'histoire de la vie politique d'un État, c'est-à-dire, ben, si vous voulez faire l'indépendance, on vous soutient, ça, c'est de la géopolitique, mais c'est se mêler des débats politiques internes à un État. Ensuite, je le redis, les élites politiques et intellectuelles françaises ont tendance à voir de manière très favorable le combat québécois, mais je dirais que c'est d'abord à nous de le mener. Mais je disais ça sourire en coin, parce que, écoute, ce sont les présidentielles françaises, on a l'impression ici que tous les candidats se revendiquent de Charles de Gaulle, alors tant qu'à être de Gaulle, effectivement, vive la laïcité québécoise libre. Ah oui, non, je serais pas capable, sur le fond des choses, je m'en désolerais pas, mais pour fréquenter un peu d'ailleurs la classe politique française, la classe médiatique, je vois bien, c'est particulier, mais là ensuite, ils vont pas faire de la politique chez nous à notre place, et le Québec sera pas un enjeu de la présidentielle française, tout comme la vie politique française serait pas un enjeu québécois, mais ce qui est fascinant à travers ça, c'est de voir comment cette espèce d'alliance naturelle, elle est ressentie et vécue comme telle. Et le cas de le Québec est vu comme cette petite nation qui, justement, est à l'avant-garde, à l'avant-poste de la révolution de notre temps et qui résiste comme elle peut à notre manière. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas fort, mais on n'est pas mort. Entre il y a toujours moyen de moyenner, puis il y a toujours bien des limites. Les Québécois fonctionnent dans ces paramètres-là. Je crois que notre résistance est suivie avec attention. Je dirais pas une passion de tous les jours, faut pas se compter d'histoire. Mais avec un intérêt sincère chez les Français pour ceux qui se piquent d'un intérêt sur ces questions-là. Alors, Mathieu, on a eu besoin d'une commission, OK? Une commission d'enquête là, qui réfléchit avec des rapports et tout ça pour se faire dire que finalement, on a le droit de parler de toutes sortes de sujets dans une classe. Quand même, on a eu besoin d'une commission pour arriver à cette conclusion-là. Une commission, est-ce que l'eau est mouillée? Ah, je sais pas, on va mettre une commission là-dessus pour voir si l'eau est mouillée. Ah ben, c'est ce que tu dis est fondamental, parce que quand je lisais sur ce dossier, c'est que là, en gros, on va avoir besoin d'une loi pour rappeler l'existence d'un principe élémentaire qui n'aurait jamais dû être contesté, c'est que l'université est un espace de liberté, que différentes théories sont appelées à s'y confronter, que la recherche de la vérité ne saurait se conjuguer avec la fascination pour un dogme, qu'une salle de classe n'est pas un lieu de fanatisme ou de militantisme. Toute une série de choses qui vont de soi, mais les évidences de notre temps ne sont plus les évidences de toujours. Dans notre temps, on a renversé les évidences. Hein. On est dans un monde aujourd'hui où prononcer certains mots relève du blasphème. On est dans un monde où, je dirais, des principes élémentaires de la liberté d'esprit en Occident sont contestés. Donc, on a besoin d'une loi pour restaurer ce qui n'aurait jamais dû être contesté et rappeler l'institution universitaire à sa mission. C'est assez fascinant, en fait. Mais bon, si cette étape est nécessaire, nous la ferons, nous la mènerons, on la traversera. Mais c'est quand même fou qu'on soit rendu là pour défendre quelque chose d'aussi simple que la liberté intellectuelle. Ben oui, c'est quand même incroyable. Et écoute, je fais un parallèle là avec toi qui est en France. RTV a présenté La Cage aux Folles. Et avant le film de Édouard Molinaro, qui était réalisé en 1978, on a pu voir ce panneau. Ce film est présenté tel qu'il a été créé et peut contenir des représentations culturelles d'époque. Mais avant oui, La Cage aux Folles. C'est la même affaire avec la Petite Vie. On s'en souvient, l'épisode de La Petite Vie qui avait été banni parce que ça portait des représentations culturelles datées. Puis là, maintenant, il y a ce panneau-là qui précède. Donc, autrement dit, nos petites consciences effarouchées, c'est ce que tu appelles les petits lapins, donc les petites consciences effarouchées des temps présents, eh bien, oh là là, une trace du passé qui pourrait heurter les valeurs du présent. Mais là, on va mettre un peu partout des panneaux, des mises en garde pour s'assurer que le passé ne vienne pas écorcher notre vertu des temps présents. Il y a quelque chose là-dedans qui relève d'une régression intellectuelle, d'une régression infantile. C'est une véritable régression de l'esprit, de la liberté de l'esprit. Mais faut-il s'en surprendre, sachant que cet esprit de censure et d'interdiction se déploie dans tous les domaines de l'existence. Et bien maintenant, les œuvres qui sont antérieures à la révélation universitaire ne peuvent être présentées
que si on nous met en garde contre les terribles valeurs qu'elle véhiculerait. Ben oui, mais là, c'est la même chose si on riait en disant on a besoin d'une commission pour se faire dire qu'on peut débattre de n'importe quel sujet en classe. Et là, on a besoin d'un avertissement pour se faire dire qu'un film tourné dans les années 70 ne reflète pas nécessairement les valeurs d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est que tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une tendance culturelle lourde. C'est qu'il y a aujourd'hui une forme de transformation du rapport aux œuvres. Donc, si une œuvre ne vient pas, ou à la liberté d'expression, si une œuvre ne vient pas simplement renforcer les préjugés du présent, si elle ne vient pas alimenter les préjugés du présent, si elle les heurte d'une manière ou de l'autre, eh bien, on est déjà pas loin du blasphème. On est déjà pas loin de ce qui viendrait violenter nos consciences, la conscience contemporaine. Donc, faut se protéger contre ça. C'est comme mettre une forme de capote symbolique pour se protéger contre ces traces du passé qui viendraient nous hanter ou nous contaminer. Évidemment, comme toi, je me dis tout ça est fou, mais le fait est que puisque notre univers mental et politique et culturel est à reconquérir, eh bien, cette reconquête mène, je dirais, une loi à la fois quelquefois, le bon sens reprend ses droits, une décision à la fois, et on tout en se disant que ça ne sera pas d'un coup, mais c'est un pas dans la bonne direction. Moi, j'imagine un avertissement avant la cage aux folles. Avertissement, ce ne sont pas tous les homosexuels qui crient comme une fille en mettant du beurre sur leur biscotte. Juste avant la cage aux folles. Ça serait tout à fait précis, mais là, tu devrais probablement envoyer un intitulé pour préciser ce qu'est la biscotte en question. on est dans un, il y a quelque chose d'un peu, c'est le monde un peu devenu fou. C'est souvent le sentiment que j'ai, c'est-à-dire le rapport au réel s'est sectionné. Nous ne vivons plus dans le monde réel. On vit dans un monde sous le signe d'une forme des fantasmes idéologiques qui s'entrechoquent, qui se fécondent entre eux. Et on est obligé d'évoluer dans ce monde parallèle plutôt que dans la réalité, qui a ses grandeurs et misères, mais qui au moins avait la vertu d'exister. Et c'est un pari aujourd'hui que d'exister dans le monde réel. Je donne un autre exemple sur le traitement médiatique de phénomènes politiques. Je le vois en ce moment, ça me fascine, autour du fameux candidat Zemmour en France, dont on parle beaucoup. Il suffit de faire des nuances sur sa candidature. En temps, un instant, il y a des jugements trop radicaux qui ont été posés sur lui, et on l'a enfermé dans des catégories, on l'a enfermé dans une image, tout ça. Il suffit de faire des nuances pour que ce soit vu comme une adhésion implicite ou explicite à sa candidature. Donc, il n'est plus possible autour d'un candidat de faire d'analyser la chose au-delà des slogans entendus. C'est vu comme soit vous êtes vraiment contre lui, soit vous êtes avec lui. Même chose avec Trump, soit dit en passant, d'autres temps. Il n'était pas permis de chercher à comprendre ce qui a fait que 74 millions d'Américains ont quand même voté pour lui. C'est quand même pas rien. Eh ben non, il fallait simplement, si on n'était pas dans l'indignation morale permanente, on était accusé d'y être complice, et ainsi de suite. Donc, c'est un effort intellectuel permanent que de se détacher des différentes formes de censure idéologique, différentes formes des slogans obligatoires auxquels nous sommes obligés d'adhérer si on veut avoir bonne réputation en société. Et ça, je crois que c'est un vrai problème démocratique aujourd'hui. Nous sommes écrasés justement par ces récits obligatoires qui nous empêchent quelquefois de voir un phénomène autrement que dans sa caricature. Hey, tu parles de Zemmour, si tu veux t'amuser, mon cher Mathieu, lis Francine Pelletier dans Le Devoir aujourd'hui. Francine Pelletier dit non, les gens qui votent Zemmour, c'est pas parce qu'ils sont inquiets de l'immigration massive, c'est pas parce qu'ils sont inquiets de voir que 65% des jeunes musulmans trouvent que le Coran est plus important que les lois de la République. Non, s'ils votent Zemmour, et elle l'écrit sérieusement, ce sont des hommes avec des petites quéquettes. Elle l'écrit, c'est le titre de son texte. Si tu votes Zemmour, t'as une petite quéquette. On arrive à ce moment où doit-on prendre Francine Pelletier au sérieux, et il me semble que c'est un pari que je ne suis pas prêt à faire. Donc, c'est comme je dis, on lit son texte, mais pour moi, c'est symptomatique d'une forme d'inculture journalistique militante qui plaque, bon, qui connaît assez mal le phénomène, faut bien le voir, qui connaît mal le phénomène, qui a lu sur ça une lecture de surface, et qui ensuite plaque sur ça ses catégories habituelles. Bon. C'est comme ça, c'est pas surprenant, et on risque de voir ça de plus en plus. C'est ça qui me fascine, parce que j'ai l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes. L'idée, quand on analyse la politique, c'est pas d'être le militant d'un camp ou de l'autre. Je veux dire, si on est militant, c'est une chose, si on n'est pas militant, l'idée, c'est juste de chercher à décrypter les choses honnêtement. Décrypter les choses honnêtement, ça veut pas dire applaudir les uns et les autres, ça veut dire chercher à voir dans quelle mesure ce que l'on dit à la manière d'un récit obligé que chacun plaque, est-ce que ça correspond à ce
ce que l'on voit, à ce que l'on comprend, est porté d'une manière ou de l'autre par ce qui se dévoile dans la réalité. Et moi, je pense que ce devoir d'intelligence, ce devoir de compréhension, ce devoir de décryptage, il est de moins en moins au rendez-vous dans le commentaire médiatique où il s'agit simplement de prendre la pause attendue pour ne pas avoir mauvaise réputation. Et je reviens, moi, il ne s'agit pas d'être pour ou contre quelqu'un. C'est complètement... C'est étrange, surtout quand on est dans un autre contexte politique. Mais ce qu'on voit, c'est cette espèce d'obligation morale et d'obligation, cette contrainte morale, puis en dernière instance, cette capacité à analyser un phénomène qui se désagrège. Écoute, je vais te parler d'une petite anecdote, mais qui en dit long. Et tu as souvent parlé de ça, la déconnexion de l'élite vis-à-vis monsieur et madame tout le monde, où l'élite est très frileuse et très politically correct et tout ça, et dit est-ce qu'on devrait pas censurer Lucky Luke, alors que les gens, monsieur et madame tout le monde, trouvent ça complètement ridicule. Marie-Pierre Morin, elle a fait sa première sortie publique à Québec. Elle est allée vendre des vêtements usagés pour ramasser de l'argent pour un organisme qui lutte contre la toxicomanie, bon, parce qu'elle avait des problèmes d'alcool et tout ça. Les gens se sont pointés en masse pour aller la voir. Alors que pendant que dans un certain milieu, bon chic, bon genre, le milieu des médias, le milieu des artistes, elle était ostracisée, puis on lui donnerait plus de contrat, puis elle est toxique, puis ça n'a pas de bon sens parce qu'elle a mordu la cuisse de Safia Nolin. Monsieur, madame, tout le monde a dit, on voit pas de problème avec ça. Il a été content de voir Marie-Pierre Morin, puis ils l'ont accueilli avec amour. Ah, mais c'est ça. Ça, mais ça, je vois, appelons ça un écart entre les prescriptions idéologiques ou morales du milieu médiatique et les préférences populaires. Je dis pas que les uns ou les autres ont raison. Quelquefois, le milieu médiatique fonctionne en circuit fermé, et là, un interdit arrive, un scandale arrive, tout le monde doit se prononcer, tout le monde doit dénoncer, tout le monde doit lancer sa pierre, tout le monde doit lyncher, tout le monde doit lapider, et c'est nécessaire. Puis là, ce qu'on voit pas, c'est qu'une partie de la population regarde pas en disant, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mais le problème, c'est que la population est aujourd'hui comme attardée, retardée, en décalage, pas assez moderne, pas assez ouverte. Ça devrait la rééduquer pour qu'elle comprenne à quel point telle ou telle chose est grave. Alors moi, sur le cas Marie-Pierre Morin, sur le fond des choses, c'est une querelle qui m'a toujours semblé étonnante. Donc, manifestement, elle avait des problèmes de comportement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a dû se réformer. Pas de doute là-dessus. Fallait-il pour autant décider de l'exécuter à jamais du paysage médiatique? Fallait-il la bannir de l'univers médiatique à jamais? Ça me semblait quelque peu exagéré. Mais ça, c'était pas tant de choses que ça, me semble-t-il, que de dire, OK, elle a des problèmes de comportement, mais on va pas la cancel, comme ils disent aujourd'hui. On va pas la bannir socialement. Mais dans un certain milieu qui fonctionne au fanatisme idéologique, qui aime les lynchages publics, il fallait la liquider une fois pour toutes. Il fallait pas lui donner la chance de la rédemption. Il fallait pas lui donner la chance de la réintégration dans la vie publique. Je pense que le commun des mortels en la matière s'inquiète des jugements lapidaires et définitifs. Ben, écoute, on a improvisé autour de plein de sujets, mon cher Mathieu, ce qui prouve que Raoul Duguay avait raison. Tout est dans tout. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. À jeune cuisinier. C'est possible. Aide alimentaire, soutien psychosocial, fonds d'études. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Passer de jeunes sans-abri à jeunes menuisières, c'est possible. Éducation, programme d'employabilité, logement. À Dans la rue, nous permettons aux jeunes de réaliser leur projet d'avenir. Donnons vie à leurs rêves. Donnez à danslarue.org. Pour les fêtes, abonnez-vous à Helix Télé et Internet à partir de $74 par mois et obtenez en cadeau 6 mois d'abonnement à Vrai et Club Illico. Un autre avantage Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Alors Mathieu, je vais te le dire franchement, je suis à bout. À bout, je suis plus capable de la pandémie, toi personnellement. Aujourd'hui, moi ça me rend fou. C'est-à-dire, je fais partie de ces gens, très nombreux je crois, qui ont pris... les gestes responsables, c'est-à-dire on s'est vacciné, on a pris la deuxième dose, on prendra la troisième, on essaie de pas faire le fou, mais maintenant on ne peut pas vivre toujours dans le stress pandémique, on ne peut pas toujours vivre dans la gestion psychologique de chaque vague comme si elle allait anéantir notre monde. Je comprends qu'il y a de l'inquiétude quand il y a un nouveau variant, tout ça, mais une fois que c'est dit, la matrice panique, hein, l'espèce de prédisposition à la panique que nous avons dès que nous abordons cette question, je commence à me dire que psychologiquement, c'est intenable pour nos sociétés.
que politiquement, c'est pas tenable non plus d'avoir une société toujours nerveuse à ce point, toujours en train de se demander si on va la reconfiner d'une manière ou de l'autre, toujours en train de se demander quelle est la prochaine étape. Alors, il y a une part d'incertitude dans la gestion d'une pandémie, évidemment. Il y a la question des doses, on comprend très bien. Mais le fait est qu'on ne peut plus vivre dans une société où plane toujours la menace du confinement, dans une société où l'ami est présenté comme un danger, potentiellement une bombe virale. On ne peut pas vivre dans une société qui fait des rencontres sociales un véritable danger dont on devrait toujours se méfier. J'ajoute que ceux qui, dans les médias, quelquefois, disent « ben là, c'est pas sérieux se rencontrer à 20 », vivent souvent des vies très exaltantes, très emportées, très tout à fait passionnantes, sont au cœur de l'action. Le commun des mortels, lui, qui a une vie plus, plus régulière, eh bien, quand plus banale, probablement, eh bien, les rencontres d'amitié, les rencontres familiales, c'est pas simplement un surplus. C'est là où il trouve la possibilité de renouer avec la vie sociale ou la possibilité de vivre avec ses proches, son prochain. Franchement, il y a un rapport à tout cela qui va devoir changer, puis on y revient. C'est-à-dire que l'hôpital s'adapte, que le système de santé s'adapte véritablement à la pandémie, que nos sociétés soient capables d'avoir des rythmes de vaccination qui tiennent, et pour le reste, ben, qu'on cesse de faire de la COVID la trame de fond de notre actualité. Écoute, Mathieu, là, les experts le disent tous, là, ça va être fini, la pandémie va être finie quand, 80% de la population mondiale va être vaccinée. On s'entend, toi et moi, que c'est pas pour demain. D'ici là, des variants, il va en avoir d'autres. Certains peut-être plus contagieux encore que l'Omicron. Là, ça veut-tu dire qu'il va falloir rester chez nous, faire attention pendant, 3, 4, 5 ans? À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec ça, là. Ben voilà. Et vivre, ça veut dire, ça, j'en témoigne parce que, bon, je suis... Vu de l'autre côté de l'Atlantique, mais pour un an. Mais ce qu'on voit, c'est que les restaurants ici sont bondés. Les gens se rencontrent. La vie a repris, en fait. C'est très particulier. Mais avec une part de prudence. Avec, c'est-à-dire, par exemple, là, quand le variant Omicron arrive, ben là, ce qu'on voit, c'est que la bise tombe un peu. La poignée de main demeure, mais la bise disparaît. Donc, c'est toute une série de petits ajustements au quotidien qui peuvent sembler étranges, mais qui témoignent du bon sens du commun des mortels. C'est-à-dire, OK, bon. Ben, il faut suivre le rythme. C'est un peu plus dangereux, on va en tenir compte, mais on va pas devenir fou non plus, puis on va pas vivre confiné. Puis ce qui me frappe, moi, c'est à quel point pendant toute la période du confinement, quand les Québécois suivaient ça, mais avec une rigueur que certains diraient admirable, d'autres diraient exagérée, en France, les gens continuaient à se voir privément. Les rencontres privées existaient encore. Il y avait les restaurants clandestins, je laisse même ça de côté tellement ça c'est une affaire de français. Mais il y avait les exigences de la vie sociale étaient conservées, alors que chez nous, la simple possibilité de voir ses proches de minimalement était considérée déjà comme une forme d'offense faite à la morale pandémique, la morale covidienne. Donc, il y a tout ça, je pense, que s'extraire de la psychologie des deux dernières années. Il y a à la fois une dimension naturelle qui vient d'un coup. Ça, c'est le déconfinement du 28 mai, on s'en souvient. On s'est retrouvés sur des terrasses. D'un coup, la vie reprenait. C'est comme si d'un coup, elle n'avait jamais été suspendue, elle reprenait. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la facilité avec laquelle nos gouvernants retombent dans la possibilité du confinement, dans la possibilité des contraintes, dans la possibilité des mesures et des mesures, manifestement, il y a un tournant qui a pas, psychologique qui n'a pas été pris chez ceux qui nous dirigent. Et écoute, là, ce qui est honteux, c'est de voyager. C'est le temps des fêtes. On sait que c'est difficile l'hiver au Québec. Il fait noir à partir de 4 heures, sinon 4 heures moins quart. Le manque de soleil, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans le sud. Et là, on te dit, ben voyons donc, tu vas aller dans le sud, etc., au soleil. Et là, les gens disent, ben, c'est parce que, à quoi ça sert de se faire vacciner? J'ai les doubles vaccins. Je vais me faire tester avant de monter dans l'avion. Je vais me faire tester avant de monter dans l'avion en revenant au retour, etc. Ben, si ça donne rien de se faire vacciner, si ça donne rien de se faire tester, puis tout ça, je veux dire, à un moment donné, là, les gens disent, voyons, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont désobéir, là. Ils en ont ras le cul. Non, mais en fait, il y a quelque chose là-dedans qui est fascinant. C'est-à-dire, les vaccins, c'est efficace, très bien. On comprend c'est quoi la fonction du vaccin. On comprend qu'il n'empêche pas les nouvelles contaminations. Très bien, on l'a compris. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'ils empêchent les formes graves. Ah, ben, très bien, ça, c'est l'essentiel. Ils diminuent le nombre d'hospitalisations. Ah ben voilà qui n'est pas un détail. Ils diminuent le nombre de morts. Voilà qui n'est pas un détail. Bon, ben voilà le monde dans lequel nous vivrons. Notre étalon de mesure, ça ne peut pas être le retour à ce qu'était la vie avant la COVID, parce qu'à ce compte-là, on n'y reviendra jamais. On entre dans une période où il va y avoir la part de risque à la vie sociale, la part de risque aux relations sociales va être un peu plus élevée, ou plus élevée pendant quelques années. Et je pense que ça, c'est le véritable effort à faire. Il est là. C'est un effort psychologique, j'entends. Accepter qu'il y a une plus grande part de risque, évidemment. Comme j'ai cité la peste, on rentrera chez soi, on s'en cabanera, puis on se reverra quelques années plus tard.
Mais si c'est pas la peste, et si manifestement nos sociétés sont capables de s'adapter culturellement au quotidien, ben je pense que c'est la responsabilité du politique de s'adapter aussi. Mais là, je dirais que que notre capacité administrative, que notre la capacité de l'action collective, l'action publique, soit capable de tenir compte de cela, sans toujours avoir la tentation de tout fermer, sans avoir la tentation de tout étouffer, c'est intenable à court, à moyen et à long terme. S'il faut protéger les gens plus vulnérables, on va les protéger. Les gens plus vieux, les gens malades, effectivement, peut-être un genre de confinement pour eux, mais que et puis les non-vaccinés. Ben, je suis désolé, Mathieu, mais moi, j'en suis rendu là. Ça peut paraître épouvantable, ce que je vais dire, mais si après 2 ans, t'es toujours pas vacciné, ben, si tu l'attrapes et tu risques de mourir, ben, ça sera ton choix. Ça sera ton choix. Je n'ai pas, moi, à te protéger, toi, si toi, tu veux pas te protéger toi-même. Mais ça c'est la question difficile, c'est-à-dire bon, moi j'ai quiconque attrape la COVID, je trouve ça terrible, il y a pas de enfin si c'est terrible, je connais des gens qui sont pas vaccinés, qui l'ont attrapé et qui finalement ça s'est bien passé. J'en connais d'autres pour qui c'était un peu différent. Bon ben, je tiens compte de tout cela. Mais effectivement, il y a une part de responsabilité individuelle dans la vie. Ça existe quand même un peu. Donc là, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on soignera pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on va les abandonner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire en sorte que la société dépende exclusivement des comportements des non-vaccinés. Il y a quelque chose là-dedans qui est intenable de permettre à une minorité de prendre en otage la vie sociale. Mais et ça, c'est vrai comme dans tous les domaines. Mais ce qui est particulier avec la COVID, c'est qu'il y a une forme, puis moi je le vois, j'ai pu comprendre qu'il y avait, tu sais, il y a le moment de la méfiance au vaccin. OK, on l'a tous compris que des gens étaient méfiants envers les vaccins. On peut s'en désoler aussi, on peut y voir une espèce de chute de la culture scientifique, parce que c'est quand même, les vaccins à l'échelle de notre civilisation, c'est un progrès immense. Mais imaginons qu'on comprenne que des réactions soient irrationnelles, soit des raisons qui pousseraient à s'en inquiéter. Mais là, manifestement, on vaccine à grande échelle. On voit que le premier effet de la vaccination, c'est la fin de la saturation du système hospitalier. C'est la possibilité désormais donc que la multiplication des cas ne s'accompagne pas d'un effondrement du système de santé. Ça me semble que c'est une leçon à retenir. Voilà qui est du simple bon sens. Donc, on ne peut pas vivre à jamais, justement, en otage de ceux qui refusent jusqu'aux manifestations les plus évidentes du progrès. Mais bon, d'avoir à dire cela, il y a quelque chose d'un peu désolant. C'est un peu désolant que le simple rappel des évidences passe aujourd'hui pour une transgression covidienne. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de courir, là, puis on me dit, bon, tu fais un 5 km et c'est tout. Puis après ça, pendant que je cours, ils vont dire, non, finalement, c'est un 10 km. Là. Après ça, non, ça va être un 15 km. On nous a dit, ça va être une dose de vaccin. Après ça, non, 2 doses de vaccin. Après ça, ben faites vacciner vos enfants. Là, on est rendu, ça va être 3 doses de vaccin. Après ça, ben là, ça va être des tests de dépistage. Hey, tabarnane! Christy, là. Non, mais voilà, mais c'est pour ça que là-dessus, là, c'est pour ça, à l'échelle de l'histoire, je viens qu'on est au tout début d'une nouvelle ère, ou à toute une nouvelle crise. Donc là, 2 doses, 3 doses, 4 doses, elle n'est pas inimaginable, la 4e dose, donc c'est comme ça. C'est presque, est-ce que ça va devenir comme le vaccin de la grippe qui revient sur une base annuelle pour ceux qui sont fragiles, ça? C'est bien possible, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut... Moi, je pense que les ajustements techniques, là, c'est-à-dire vaccinaux, tout ça, on les fera. Mais ce qui, là où les gouvernements doivent faire leur part, c'est rompre avec ce que j'appelle la panique. La panique qui fait en sorte que chaque fois que quelque chose survient, immédiatement, on nous dit, tout va s'effondrer, faut tout fermer, faut plus que vous voyez. Il faut sortir de ce réflexe. Je pense que ça, c'est la tâche principale dans les circonstances, c'est sortir de ce vilain réflexe. Et moi, ce qu'on demande de nos autorités, c'est qu'elles soient cohérentes. Mathieu, au Québec, actuellement, on nous dit, c'est épouvantable, le micron, faut faire attention. En Ontario, ça n'a pas de bon sens. De l'autre, on nous dit, hey, vous pouvez faire des rassemblements dans le temps des fêtes jusqu'à 20, puis les bars sont ouverts. Fait que là, nous autres, là, simples citoyens, on regarde ça, on dit, mais qui a raison là-dedans, là? Oui, et c'est pour ça que le bon sens reprend ses droits là-dedans. C'est-à-dire, mais faut, Omicron, quand on l'a présenté au début, là, c'était, ben bon, c'était la guerre mondiale qui recommençait. OK, puis ben, comme tout le monde, on se dit, OK, ben, on va s'ajuster. Alors, on apprend que finalement, bon, il est très contagieux, mais il est moins létal. OK. Ben, finalement, on comprend que bon, c'est une variation dans l'épidémie telle que nous la connaissons. Bon, ben, OK, donc on va s'ajuster. Donc, c'est pour ça que là-dessus, le bon sens populaire est probablement une bonne boussole là-dedans. Le bon sens populaire, il n'est pas fait pour gouverner. Ça, je le redis souvent. On gouverne à partir de données chiffrées, d'analyses rationnelles des choses. Mais le bon sens populaire, c'est une forme de scepticisme devant toutes les manifestations d'exagération. Et
quelles sont les manifestations d'exagération en ce moment? C'est cette idée qu'on va vivre dans une forme d'état sanitaire potentiel jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, je pense que le commun des mortels dit « on se calme, on va voir ce qu'il y en a ». Et ça, je pense que ce « on se calme » est tout à fait fécond dans des circonstances, parce qu'il consiste simplement à... Non, il dit pas que c'est pas grave. Il dit qu'il faut raison garder pour éviter de s'emporter. Au moment où nous en sommes rendus dans l'épidémie, dans la pandémie, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Écoute, je veux pas parler de ta vie personnelle, Mathieu, mais reste que, bon, on sait que tu es en France, et j'imagine dans le temps des fêtes, tu te dis, ben là, j'ai de la famille ici, j'ai des amis ici, ma douce est ici, donc tu planifiais de venir au Québec pendant le temps des fêtes, et là, j'imagine que t'es inquiet parce qu'on parle peut-être fermer des frontières, là. Ouais, bon, on va regarder ça, parce que on va regarder quelles sont les mesures envisagées, on va voir quelles sont les mesures qui vont être prises, les mesures en France, les mesures au Québec, on va voir quelles sont ces mesures. Puis ben, ensuite, on s'adapte. La bête humaine a une capacité de s'adapter. Non, on s'adapte, mais c'est dur pour le mental. Je suis désolé. Ah, moi, j'ai peur d'une pandémie de dépression, littéralement. Là. Ah oui, mais ça, c'est évident. Ça, il y a des études qui commencent à être faites sur les effets psychologiques de la pandémie. Ils sont évidents. On revient là-dessus sur ce qu'on savait en temps réel, mais c'était difficile de voir toute sa portée. C'est que tout ce qui s'appelle les confinements, les coûts psychologiques et financiers des confinements ont été considérables. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas nécessaires dans un premier temps, on peut le comprendre. Ça veut simplement dire que manifestement, on ne confine pas un peuple, une société, sans en payer le prix profondément. Et là, on est rendu au moment où on paie le prix, disons ça comme ça, on voit les effets, la névrose, l'inquiétude, on va tous retomber dans des rassemblements limités. On va tous devoir se méfier à nouveau de notre prochain. On va devoir à nouveau être toujours inquiet avec le nombre des cas qui nous sont donnés chaque jour et ainsi de suite. C'est pour ça que là-dessus, on en parlait récemment. Les médias décrivent la réalité, mais quelquefois la construisent. J'entends qu'ils la construisent, c'est quelquefois quand ils imposent un récit, ce récit devient une forme d'obsession collective. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'autant les médias ont raison de nous raconter l'épidémie, parce que c'est pas un détail, elle est importante, il faut nous tenir au courant, autant que le décompte quotidien des cas, autant que l'espèce de sentiment toujours entretenu globalement, qu'il suffirait de peu pour qu'on bascule à nouveau dans l'enfer de mars 2020, ça, je sais pas comment on peut s'extraire de ça, parce que par ailleurs, c'est une inquiétude légitime, mais comment être capable de ne plus se définir principalement par la pandémie qui devient la trame de fond de notre vie collective, il y a quelque chose là-dedans qui me semble essentiel. Exactement. Il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus être alarmiste et catastrophiste. Oui, voilà. C'est pas original de dire ça, mais je trouve qu'en ce moment, il ne faut pas être original. Il faut être, je dirais, accroché au bon sens et aux réalités, puis se dire, se garder la boussole du bon sens dans notre esprit. Merci, on se reparle. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, j'essayais d'être optimiste vis-à-vis Omicron en me disant oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Et bien là, il y a une étude qui vient d'être dévoilée par le Imperial College of London. C'est une institution très sérieuse. Et on dit qu'il est aussi dangereux que le Delta. Donc, plus contagieux et aussi dangereux que le Delta, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Mathieu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont les vagues à répétition de la crise covidienne qui nous... j'ai l'impression, parce que j'essaie de situer ça dans une perspective plus large, j'ai l'impression qu'on va avoir des variants à répétition assez dangereux, de manière cyclique, de manière saisonnière, pour un bon moment déjà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des mesures d'urgence, tout ça. Personne ne se dit on va braver le virus en l'attrapant tous, ce serait une idée sotte et imbécile. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que si... on est pris à avoir un cycle récurrent de COVID dans nos vies pour quelques années. Ça veut dire quelques années, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 ans, et ainsi de suite. Eh bien, on ne peut pas vivre simplement sur le mode « on enferme, on libère, on enferme, on libère, on enferme, on libère ». Il y a des questions presque, je dirais, d'organisation sociale qui vont devoir se poser, d'une manière ou de l'autre, d'organisation de nos libertés, d'organisation de notre espace public, pour être capable de vivre malgré cette cochonnerie. Donc, ça implique tout. Hein. Ça implique à la fois la vaccination massive, ça implique l'hôpital qui fait son travail, ça implique le fait que les gens intègrent ça un peu dans leur comportement quotidien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas vivre, ça j'en suis convaincu, durablement comme société, sur le rythme confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Les gens peuvent se voir, les gens peuvent pas se voir. Il y a quelque chose à travers tout ça qui est intenable au-delà de la maladie.
Puis aussi, c'est intenable quand François Legault nous dit « Vous pouvez faire des rassemblements à 20 ». Le message qu'il envoie, c'est que ça va bien, ça va super bien. C'est comme ça qu'on l'a perçu. Et peu de temps après, il dit « Non, finalement, ça va mal ». À un moment donné, c'est des montagnes russes émotives, là. Ouais, mais j'ai l'impression que François Legault, qui jusqu'à présent a géré la crise, que aucun gouvernement l'a géré parfaitement, mais a géré de manière tout à fait correcte. C'est-à-dire, rares sont ceux qui pouvaient dire « Oh là là, j'aurais géré ça tout autrement, puis ça irait beaucoup mieux. » À tout le moins, si c'est le cas, on ne connaît pas l'endroit dans le monde où ça fonctionnait. Mais là, les espèces de jeux de yo-yo, les promesses à répétition brisées, promesses qu'il n'aurait pas dû faire dans les circonstances, j'ai l'impression que ça peut commencer à user sa crédibilité gouvernementale. Oui. C'est-à-dire que des gens vont se dire, pour la première fois, « Ouais, bon, ben là, on va aller voir ailleurs un peu, voir s'ils n'ont pas d'autres choses à dire, parce que la parole s'use à force de se donner sans se confirmer. Mmh. Et j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais qu'il y a le gouvernement risque de payer le prix politique de cette gestion hasardeuse de deux Noëls de suite. Parce que si tu peux pas livrer la marchandise, t'es mieux de rien promettre, de jouer safe, comme on dit, de jouer fessier, comme on dit en québécois. Oui, exactement. Et puis aussi, il y a cette idée, mais ça, je pense que c'est des traits culturels très particuliers. Les Québécois, on est un peuple assez prudent, finalement, assez encabané, et ainsi de suite. Quand on contraste les deux, appelons ça nos deux peuples frères, hein, les Québécois et les Français, je vois une forme de, pas de scepticisme par rapport à la COVID, bien, franchement, ça existe aussi, mais cette idée que l'an passé, par exemple, à Noël, l'an passé, en 2020, en France, les gens s'étaient quand même rassemblés. Puis pas, j'insiste, pas des conspirationnistes débiles, pas des complotistes fous, pas des gens qui sont sur le mode « Ah là là, tout ça est une conspiration de monsieur X, Y ou Z ». Des gens plutôt normaux qui avaient dit « Bon, on va voir de quelle manière prendre le risque, on va faire attention à grand-papa et grand-maman, on va faire attention à ci, on va faire attention à ça ». Et ce qui me fascine, c'est que donc c'est une crise qui est révélatrice de notre rapport au risque comme société, de notre rapport au risque comme population. Puis je le dis moi-même, je suis pas le type le plus porté vers les bravades. Genre, si on me dit qu'il y a un virus dangereux dans l'air, ben, j'en tiens compte. Mais je me dis que si, comme je dis, on s'est appelé à revenir, à durer, notre rapport au risque va devoir changer pour une petite période, à tout le moins, parce que sinon, comme je dis, nos sociétés vont simplement s'épuiser, s'effondrer. Mais c'est-tu ce qui est triste, là, parce que moi, bon, rendu à mon âge, tu sais, je sors moins que je sortais, rester chez moi avec un bon livre, ce n'est pas une punition. Mais t'imagines, t'es jeune, t'es adolescent, là, et adolescent, tu construis ta personnalité en vivant toutes sortes d'expériences, hein, puis c'est là, tu dis, ah, ça, j'aime ça, non, ça, j'aime pas ça, et c'est comme ça que tu t'apprends à te connaître et tout ça. T'imagines vivre ta jeunesse à une époque comme celle-là? Ah oui, absolument. Puis je t'avouerais que quand j'entends le discours « Ah, mais nos arrière-grands-parents ont connu la première guerre, nos grands-parents ont connu la deuxième », là, je trouve ça passé. La comparaison avec la guerre, comme ça, pour toujours relativiser l'expérience des temps présents, à l'échelle de l'histoire, ce que nous traversons est assez inédit, assez unique. Franchement, il y a quelque chose là-dedans d'improbable et de détestable. Alors moi, toujours relativisé au nom des deux guerres, Dieu sait que j'ai de l'estime pour les gens qui sont battus pendant les deux guerres, Dieu sait que je vois le plus grand courage, mais à l'échelle de l'histoire, l'épreuve que nous traversons n'est pas banale et je ne suis pas de ceux qui veulent la relativiser. Et comment les gens se portent en France? Parce qu'on sait que de l'autre côté de la Manche, ça va pas bien du tout en Angleterre. Est-ce que les Français sont encore... est-ce qu'ils prennent ça encore avec un grain de sel? Oui, franchement, oui, c'est assez amusant. Je passe mes journées à la fois avec une... toute ma curiosité à Montréal et toute ma curiosité à Paris en même temps. Les deux mondes cohabitent en mon esprit, mais là, je vois la réaction des uns et des autres, à la fois dans le traitement des nouvelles, mais aussi dans les comportements quotidiens. Et là, je me dis, ouais, ça donne pas exactement le même résultat. Même si on est ici, je dirais pas qu'on est dans un sentiment de désinvolture, ça serait peut-être exagéré, mais on serait quand même pas loin de la vérité. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il va en avoir d'autres, des pandémies. Là. Les experts le disent, là, avec la déforestation, avec la surpopulation, avec un monde de plus en plus interconnecté, il va en avoir d'autres, donc il faut se préparer. Ça n'a pas de sens ça prend seulement quelques dizaines de cas pour que notre système de santé soit sur le bord de péter aux frettes. Ben, c'est pour ça que je dis que la question de l'organisation sociale face à la COVID va se poser. C'est à la fois une question, je dirais, de philosophie politique, mais c'est aussi une question d'administration publique, de services techniques, de capacité de gérer cette réalité-là. Non, je pense que ça, c'est très clair que nos systèmes ne peuvent pas gérer ça comme une crise temporaire qui va passer, puis ensuite ça va aller bien.
il faut manifestement ajuster les systèmes, comme je dis, de système de santé. Il faut ajuster les capacités vaccinales. Il va falloir mobiliser nos sociétés autrement pour traverser ce qui semblait non pas une épidémie, mais une époque. Et écoute, demain, c'est ton émission CNews qui tu reçois. Voilà, c'est la dernière de la saison, on va la reprendre en janvier. Je reçois Guillaume Tabar, qui a écrit un livre tout à fait passionnant sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ça va être plus qu'on termine la saison, je sais que je ferai et qu'on entre dans la saison présidentielle en janvier. Je ferai un bilan du quinquennat Macron, de son empreinte sur la vie politique française, de ce que ça représentait pour les Français et peut-être même avec au-delà des Français. Donc je reçois Guillaume Tabar pour parler de tout ça demain. 20h de Paris, 14h du Québec. On va regarder ça. Et écoute, si tu viens à Montréal dans le temps des fêtes, on pourra même peut-être se voir parce que j'ai annulé mon voyage au soleil. Donc, on pourra se voir en présentiel, comme on dit. Merci beaucoup. Et on se met en cachette. OK, en cachette, oui. Salut Mathieu. Bye. Patrick Diry, salut. Salut Richard. Alors, je vais avoir ton take là-dessus. Je parlais tantôt à Jacques Lapierre, virologue, là, qui a travaillé sur des vaccins, puis il dit c'est comme quelqu'un qui conduit une auto puis qu'il regarde pas autour de lui, là, il regarde rien que son GPS. C'est comme ça qu'on est au Québec. Ouais, moi j'irais même jusqu'à dire qu'on regarde dans le rétroviseur, là, ce qui est encore plus dangereux. Mais c'est fascinant de voir. Hier, on disait en point de presse que le délai, il fallait absolument attendre 6 mois pour la troisième dose. Tout d'un coup, on est rendu à 3 mois, comme par magie, parce qu'on a un comité qui existe juste au Québec retardé de donner la troisième dose. C'est fascinant comment on est toujours en retard. Puis c'est plate parce qu'on a l'air chialeux ben oui. À le dire tout le temps, mais à un moment donné, c'est assez simple. Tu sais, les données sont là. Tu sais, le masque, ça a pris du temps. On n'a pas été les seules remarques, mais en Europe, il y a des gens qui l'avaient pris avant. Le passeport vaccinal, ça a été implanté en Europe beaucoup plus tôt. Si on aurait pu le faire plus tôt, puis aider des gens déjà là. Les tests rapides, crime, ça fait 1 an. Les autotests, ça fait 6 mois. La troisième dose des provinces, on avait déjà commencé pour les soignants, puis à l'offrir à 18 ans. On a des questions à se poser. Quand il a dit, là, je permets les rassemblements à 20 personnes, là, ce qu'il disait comme message, c'est que ça va bien, alors que, écoute, les chiffres à cette époque-là, étaient pas bons. Ben, c'est ça. Hier, M. Legault, il disait, mais on pouvait pas le voir venir. Ben oui, on le voyait venir. Oui, je veux dire, regardez mon fil Twitter depuis un mois, là, je veux dire, il y a plein de gens qui l'ont documenté. Les chiffres du gouvernement montraient que ça montait. Et on a fait des allègements quand même. Et M. Legault, d'ailleurs, c'est drôle parce que on en a déjà parlé, mais le discours politique a changé. On dit, ça va être correct, 1200 cas, on va passer un beau Noël. C'est ça qu'il disait M. Legault. Après ça, il disait, 2000 cas, c'est correct. M. Dubé, après ça, il dit, on va avoir 3000 cas, mais tant que les hospitalisations montent pas. Ben là, ça marche pas. Ça fonctionne pas, là. Puis c'est pas comme si notre système avait de la marge de manœuvre avant. Il y a déjà du délestage. Fait que même, tu sais, quand on nous dit là, il y a de la capacité, on a prévu. Mais non, il n'y a pas de capacité. Tu parles à n'importe qui dans le système de santé. Écoute, c'est renversant. On dirait que M. Legault, il n'a pas encore compris, après 1 an et demi, comment ça fonctionne. Mais en fait, est-ce qu'on peut le blâmer lui? C'est plus son équipe. C'est plus, en fait, la santé publique là, du Québec. Là, il regarde les chiffres qu'on lui donne. Hier, Dr. Arruda, M. Legault, c'est un homme occupé. Il doit avoir la bonne information. Manifestement, il l'a pas. Ceci dit... Parce qu'il faut qu'il s'occupe d'autre chose. Il faut qu'il s'occupe d'autre chose. Mais à un moment donné, il devrait regarder les chiffres qui sortent un peu. Parce que moi, je suis prêt à passer mon classeur Excel, là. Il peut compléter lui-même. Mais Dr. Arruda a dit ceci. Il a dit, moi, mon travail, c'est d'anticiper. Il répondait à une question hier pour justifier ce qui se passait, c'est d'anticiper. C'est quand on a anticipé au Québec? Hein? Ça a commencé en janvier. Alors qu'il y a des gens qui se préparaient et qui avaient déjà commandé des fournitures médicales, le directeur de santé publique, en janvier 2020, la peur fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Faut arrêter de s'inquiéter, il n'y a pas de problème, le Québec n'est pas en danger. Il y avait déjà des cas à un moment donné, quelques jours plus tard, il y avait des cas en Ontario, ben oui. En Colombie-Britannique. Ben c'est ça, c'est pas là, seulement en Europe, là, c'est pas seulement en Angleterre, là, c'était déjà dans notre cours, C'était fascinant, à un moment donné, là, c'était rendu là à 30 pays. Non, il n'y a pas de problème. Après ça, tu regardes, c'est rendu à 50 pays. Non, il n'y a pas de problème. Et là, tu te dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui fait juste une revue de presse? Je te parle même pas d'articles scientifiques fouillés. Tu sais, juste regarder les nouvelles. Voici c'est quoi le monitoring. Puis on peut penser que, regardez, cette patente-là, là, ça se répand dans un paquet de pays. Ça a pris quelques semaines. On n'a jamais rien vu de tel. Le réflexe, c'était de dire, le Québec, pour l'instant, il y a
il y a pas de danger. Comme si on était derrière une espèce de muraille antivirus et on retrouve encore... Moi, c'est une cloche de verre, là, tu sais. Un ou l'autre, un scaphandre, je sais pas. Écoute, hier, il a même répondu à une question, Dr. Arruda, il a dit, on savait pas quand ça, ça viendrait chez nous, Omicron. Tu sais, jusqu'à quel point ça viendrait chez nous. Comment ça, on savait pas jusqu'où ça viendrait chez nous. C'est sûr que ça allait arriver. Tu regardes l'Europe au complet. Même sans Omicron, il y avait déjà des vagues de cas extrêmement fortes dans des pays qui ont des taux de vaccination comme le nôtre. Fait qu'à un moment donné, tu regardes le Danemark, là, par exemple, qui a une population un petit peu plus petite, puis ils ont un beau, très, très bon taux de vaccination. Il était rendu à des journées de 5-6 000 cas. Fait que, si on a appris quelque chose dans ces deux ans-là de pandémie, comme le disait Mario Dumont, c'est que ce qui se passe en Europe va finir par arriver ici. Il n'y a pas besoin d'être un devin là, particulier pour savoir ça. Ben, tu sais, c'est ça, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux façons de savoir quelle température il va faire aujourd'hui. Il y en a un, tu peux rentrer ça dans des ordinateurs hyper puissants qui vont calculer les masses atmosphériques, puis toutes les comment c'est promené depuis 3-4 jours, puis où est-ce qu'on est rendu, puis taux d'humidité, les masses d'air, ou tu peux juste regarder dehors. Et là, à un moment donné, des fois, c'est ça qu'il faut faire. Ça peut peut-être être moins précis, mais il crée mes mouilles. Oui. Fait que là, faut s'en occuper. Ben, c'est ça. Les autres, ils regardent. Je reviens avec le GPS. Le GPS. Regarde le GPS plutôt que regarder ce qui se passe, là. Puis ben, tout ça, tu me fais penser à quoi, à un moment donné? Pierre Follier avait raconté de quoi? C'est formidable. Une anecdote que des ambulanciers, quelqu'un qui avait été malade, qui avait été transporté par des ambulanciers américains au Québec. Je sais pas pourquoi c'est arrivé de même, mais bref. À un moment donné, les autres regardaient leur GPS, puis il fallait qu'ils se rendent, je pense, à Shawinigan. Puis là, à un moment donné, prenaient un chemin qui avait aucune allure, puis le gars disait, prenez la 40, passez par là, puis évidemment, ça a pris un temps épouvantable. Eux autres, ils suivaient le GPS. Puis, écoute, c'était drôle, je me rappelle pas des détails de la chronique, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, des fois, regarde ce qui se passe dehors. Et là, les cas montaient partout. Les cas montaient, je le répète, les cas montaient ici. Ça n'a pas monté comme ça instantanément. C'était rendu à des niveaux très, très, très élevés. Et écoute, je veux dire, c'est pas normal qu'un TQ comme moi, qui est dans un classeur Excel, dit crime, c'est en train d'accélérer, puis solide. Ben, tu dis qu'il doit y avoir quelques personnes au ministère de la Santé qui comprennent ça, parce que tu regardes des épidémiologistes, André Veillette et d'autres, par exemple, qui disent, ben non, on est mal pris. Donald Vinn, je sais pas si tu le connais aussi, qui c'est un commentateur du côté anglophone, il parle un petit peu plus. Et puis ils disent tout, écoute, ça n'a pas de sens, on n'est pas prêt. Mais non, la direction de la santé publique est comme sur une autre planète. J'imagine que c'est notre caractère distinct. C'est la distinction du Québec par rapport au reste du Canada. Merci, Patrick. Merci, plaisir, Patrick. Charles.